La journée d'Hélène. Le matin, je me lève très tôt. Le réveil sonne à 6 heures. J'enlève mon pyjama et je m'habille rapidement. Je mets une culotte, un soutien-gorge, un t-shirt, une jupe et des chaussures. L'hiver, je mets aussi un pull et j'allume le chauffage. Je prends mon petit déjeuner. En général, je mange un croissant et je bois du café. Mais j'aime aussi prendre du thé et des tartines au beurre avec de la confiture. Après, je vais dans la salle de bain et je me lave. Je me douche et je me lave les dents. Quand je suis trop pressé, je ne prends pas de douche, mais je me lave le visage au savon et à l'eau avec un grand toilette. Puis, je monte dans ma chambre pour prendre mes affaires, mon sac à main et mon ordinateur portable. Je sors de la maison et je rejoins mon amie Delphine qui m'attend sur le trottoir. Elle m'accompagne jusqu'au métro. Je lui dis alors « Bonne journée Delphine !» et je me dépêche, car il ne me reste pas beaucoup de temps. Je cours jusqu'au bureau car je n'aime pas être en retard au travail. À midi, je déjeune en ville avec des collègues. Au menu, je prends toujours une entrée et un plat. Je termine par un petit café et j'évite le dessert parce que je veux rester mince. Le soir, je rentre chez moi, puis je prépare un dîner léger, une soupe et une salade. Ensuite, je regarde la télé et je lis un peu. Je me couche vers 23 heures.